Alors, mon nom, c'est accouché dehors. Ah, super, parfait. Et mon âge, ça ne se demande pas à une femme. Moi, j'ai un Donc, bélier. Non, le prénom, c'est Ilse. Ilse. Voilà, et l'âge, c'est 35. C'est quoi pour vous un papa? Je sais pas. Hein. Ça peut être une femme, un homme. Qu'est-ce que ça vous évoque? Faudrait que ça protège, que ça aime, que ce soit confiant, que on peut être un papa pour un ami, pour une amie, on peut être un papa pour ses enfants, on peut être un papa pour... Il y a même des gens qui disent c'est mon bébé quand ils parlent à leur chien, viens chez papa, voilà. Donc ça devrait être synonyme d'amour et de compassion et de confiance. Mais c'est tout. C'est qu'un mot, hein. Une chaise, c'est une chaise. Un papa, c'est qu'un petit mot. Et puis après, on peut les appeler, je connais des copains, ils appellent leur père avec le prénom. Ça reste le papa quand même. Voilà. Oui. À quelle odeur vous associez? Ah, mais ça, c'est très simple. C'est le mien, l'odeur, c'est le truc qui mettait après la barbe, ça s'appelait tabac. Ça s'appelait tabac. Ça oui, chez moi, ça, tu connais ça? Ça s'appelle tabac. Et c'était un aftershave, une espèce d'aftershave. Et j'ai toujours connu ça, 30 ans qu'il met ça. Moi, j'ai toujours connu ça. Voilà. Bah voilà, Pauline.